suis ravi d'inviter Pascal. Je l'ai eu au téléphone pour lui parler de l'Istaya. Elle me dit, mais attends, je veux voir ton truc devant l'IHU. Donc, c'est une très bonne occasion de la, en profiter pour la taper d'un séminaire qu'elle nous fait sur les l'Istaya. Alors, je n'ose pas dire que c'est très ancien, le temps depuis lequel on se connaît, parce que on ne dit pas ça, mais enfin, ça fait quand même très longtemps. Et donc, il faisait partie des gens qui, sur le domaine de la microbiologie, ont beaucoup augmenté ces 30 dernières années, en particulier à l'Institut Pasteur, sur plus particulièrement la physiopathologie et les rapports de ce qu'elle dit, pardon, je n'avais pas le titre, de la biologie cellulaire avec les bactéries intracellulaires. Comment tout ça vit ensemble au laboratoire. En tout cas, merci beaucoup, Pascal. Merci. Bon, apparemment, c'est un séminaire en français ? Oui ? D'accord, ok. Bon, alors, merci Didier de m'avoir invité. Je suis absolument enchantée d'avoir pu visiter ce magnifique institut. Donc, comme vous le voyez, je travaille à l'Institut Pasteur. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous faire un tout petit peu un parcours dans des découvertes qu'on a fait successivement. Et puis arriver aux dernières découvertes. Et j'espère que vous allez trouver que travailler sur une seule bactérie et en allant dans différentes directions, ça permet de générer des concepts vraiment nouveaux dans différentes directions. Et c'est quelque chose qui m'enthousiasme, qui est bien loin de ce que fait M. Didier Raoult avec toutes ces bactéries, mais c'est un autre type de domaine. Donc, je travaille sur une bactérie appelée Listeria. Listeria n'était pas découverte par Pasteur ni par son compétiteur Robert Koch. Elle a été découverte par Murray en 1926. Donc, nous travaillons sur cette bactérie depuis 1986. Donc, entre 1926 et 1986, il y a une date qui était très importante, c'est 1960. McCanness a découvert que quand la guérison contre une listériose et la protection contre une listériose secondaire n'est pas due à des anticorps, mais est due à une réponse cellulaire. Et donc, Listeria a été utilisé par les immunologistes comme un outil pour étudier l'induction de la réponse T au cours d'infection. Nous sommes arrivés en 1986, nous et d'autres, et on a commencé à utiliser un certain nombre de techniques qui sont schématisées sur cette diapositive. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est exactement les découvertes qu'on a faites en utilisant successivement différentes techniques. La première, c'est celle que j'ai appelée Cellular Microbiology, qui est une combinaison d'approches génétiques, d'approches de biologie moléculaire et de biologie cellulaire. Puis, nous avons utilisé des approches post-génomiques. Dans un certain nombre de cas, c'était des approches, disons, qui étaient basées sur une hypothèse. Et ensuite, on a beaucoup joué sur le fait qu'on avait fait des découvertes au hasard. Donc, Listeria, c'est une bactérie qui se caractérise par le fait qu'elle est intracellulaire. Elle est intracellulaire et elle est invasive, c'est-à-dire qu'elle rentre dans des cellules qui sont normalement pas phagocytaires. Vous avez ici des exemples de bactéries extracellulaires et puis d'autres bactéries intracellulaires. Et là, je voudrais vous dire que là, le cas est différent pour Legionella. C'est une bactérie qui va dans les macrophages, comme toutes les bactéries du monde, et elle y subsiste. Mais là, vraiment, dans le cas de Listeria, la caractéristique, c'est le fait qu'elle soit capable d'aller dans des cellules qui sont normalement non phagocytaires. Donc, pour commencer, je vais vous montrer peut-être que c'est un peu naïf pour des gens comme vous, mais en tout cas, il s'agit d'une animation que vous pouvez trouver sur YouTube et qui vous montre exactement ce qui se passe, au moins au début de l'infection. Donc, vous avalez un aliment qui est contaminé par Listeria, et les bactéries arrivent dans l'intestin où elles rencontrent toutes leurs petites amies, les bactéries commensales. Et en contraste de ces bactéries, Listeria est capable d'entrer, de traverser la barrière intestinale, soit au niveau des plaques de Peyer, soit surtout au niveau des microvillosités, des villosités. Alors, soit en haut des villosités, là où on a des cellules qui sont mortes et qui s'en vont, soit au niveau des cellules qui produisent du mucus. Donc, vous voyez la bactérie qui est en vert, vous allez la voir mieux dans une minute. La bactérie est capable de traverser à ce niveau-là. Donc, la bactérie a sur sa surface une molécule qui s'appelle l'internaline, qui va interagir avec un récepteur qui s'appelle la eucadérine
Et par cette interaction, la bactérie va être capable de traverser cette barrière, d'aller dans le sang, et ensuite de gagner des organes un peu plus profonds que sont, par exemple, le foie et la rate. Le foie et la rate. Chez des individus qui sont immunodéprimés, la bactérie peut aller jusqu'au cerveau. Enfin, chez les femmes enceintes, la bactérie peut traverser la barrière fœtoplacentaire. Et là, elle utilise deux protéines sur sa surface, l'internaline A, que j'ai déjà citée, l'internaline B, deux récepteurs différents, et la bactérie peut contaminer l'unité fœtoplacentaire. Et à ce moment-là, ça résulte dans des avortements, des accouchements prématurés. Donc, c'est une maladie qui est dramatique. Alors, en France, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il y a 350 cas par an environ. Et le chiffre qu'il faut vraiment retenir, c'est cette mortalité de 30%. Donc c'est une maladie qui est relativement rare, mais qui est vraiment sévère. Alors il y a quelques petites épidémies, et la dernière en date était en Afrique du Sud, c'est d'ailleurs la plus mortelle qu'on ait jamais répertoriée, où il y avait eu 180 personnes qui ont été mortes après avoir mangé cette horrible saucisse. Donc, pour résumer ce que je viens de vous dire, l'hystéria avec des aliments contaminés arrive à l'intestin, peut gagner le foie, la rate, éventuellement le cerveau et le placenta. Je vous l'ai déjà dit aussi, c'est une bactérie qui rentre dans les cellules. Alors, elle rentre dans les cellules avec ces deux molécules que j'ai citées, l'internaline A et l'internaline B. Elle forme une vacuole, elle sort de cette vacuole à peu près après environ une demi-heure. Et puis la bactérie, de façon très très facile, se multiplie en environ une demi-heure. Et puis elle recrute une molécule dont je vais reparler, qui s'appelle l'actine, et elle est capable de passer d'une cellule à l'autre. Donc les facteurs principaux qui sont cités ici, internaline A, internaline B, une toxine qui s'appelle l'hystériolysine O, deux phospholipases, une ici et une là, et puis cette molécule ACTA. Donc ce qu'il y a eu d'intéressant quand on a identifié ces gènes, c'est de réaliser que tous ces gènes étaient, les gènes qui codent pour les protéines que je viens de citer, étaient situés sur le chromosome sur deux loci. On a vraiment des loci de virulence, même si M. Didier Raoult ne croit pas aux facteurs de virulence, il y a quand même des facteurs facilitants, on va dire. Et donc, vous avez les facteurs d'invasion et les facteurs qui permettent la polymérisation de l'actine, les deux phospholipases. Ce qui est important à voir, c'est que vous avez tous ces gènes qui sont co-régulés par une molécule que j'appelle PRFA, sur laquelle je reviendrai deux fois pendant ce séminaire. Donc, cette molécule est un activateur transcriptionnel de tous ces gènes de virulence. Donc on peut dire que l'hystéria est une biologiste cellulaire dans le sens où elle va exploiter des récepteurs, des molécules qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc j'ai déjà cité ces deux-là, vous les avez vus, leurs récepteurs. J'ai cité la l'hystériolysine O et en fait, je vous ai dit qu'elle servait à sortir de la vacuole, mais les travaux récents ont montré qu'avant même que la bactérie rentre, cette molécule forme des pores qui ont des activités très importantes. Elles font, cette l'hystériolysine O fait rentrer des ions, elle en fait sortir. Et ceci active par exemple la fragmentation des mitochondries, elle permet la désumoylation d'un certain nombre de protéines, et puis ça va même signaler jusqu'au noyau, et ça induit des modifications dans les histones dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Je vais revenir sur les choses qui sont importantes, à mon avis, pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de la... Des mécanismes de virulence de l'hystéria, l'entrée, la polymérisation de l'actine, et puis deux, trois autres petites choses. Alors, l'entrée dans les cellules, en vrai, pas par une animation, ça se passe comme ça. Vous voyez la bactérie qui pousse la membrane, et puis sous la membrane, vous avez un certain nombre d'événements, des réarrangements du cytosquelette qui se produisent. À l'époque, c'est-à-dire il y a très longtemps, on a identifié des mutants qui n'entraient pas dans les cellules, et c'est comme ça qu'on a identifié le gène qui code pour l'internaline et l'internaline B. Méthode classique, un mutant, on identifie le site de la mutation, et c'est comme ça qu'on a découvert les protéines d'invasion. Alors je vais un tout petit peu aller plus loin sur l'histoire de l'internaline. On l'a purifié, et on a cherché par affinité son récepteur, et c'est comme ça que Jérôme Mingot a identifié la eucadérine comme récepteur. Alors la eucadérine, c'est la molécule qui permet aux cellules épithéliales de coller entre elles, et l'hystéria exploite cette propriété d'adhésion et de signalisation en collant sur cette eucadérine. Jusque-là, très bien. Et puis, on fait une observation dans le laboratoire, c'est essentiellement Marc Lecuy dans mon laboratoire, qui réalise que
Bah, Listeria rentre bien dans les cellules humaines, mais ne rentre pas bien dans les cellules de souris. Alors c'était un tout petit peu ennuyeux, puisque les immunologistes utilisaient la souris comme modèle, et que nous, on avait l'intention d'utiliser la souris. Et Marx s'est aperçu que finalement, le fait que l'internaline ne rentre pas dans les cellules de souris était dû au fait que la eucadérine de souris diffère à un endroit par un seul acide aminé de la eucadérine humaine, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'entrée et que le couple ne pouvait pas se faire. Donc, comme on voulait savoir à quoi servait l'internaline en vrai, dans la vraie vie, on s'est dit, on va générer des souris qui ont une cadérine humaine et on va essayer de voir si le couple internaline humaine et cadérine humaine fonctionne. Donc on a fait des souris transgéniques, mais qui expriment la eucadérine au niveau de l'intestin. On a mis la eucadérine humaine sous contrôle d'un promoteur qui n'est exprimé que dans l'intestin. Et les résultats sont ici. Donc on va comparer l'infection chez des souris normales et des souris transgéniques. Transgénique avec une eucadérine au niveau de l'intestin. Donc ce que vous voyez, c'est que quand vous infectez par voie orale avec 5×10^10 bactéries, il n'y a pas de mortalité. La même chose si vous prenez le mutant d'internaline. Mais si vous prenez les souris transgéniques, la même quantité de bactéries, vous avez 100% de mortalité. Ça veut dire que, voilà, on a maintenant un modèle pour tuer les souris. Et puis si vous prenez le mutant internaline, il n'y a pas de mortalité. Conclusion absolument claire, le couple internaline-eucadérine humaine permet la traversée de la barrière intestinale. Si je vous raconte cette histoire-là, c'est parce que je pense que ça a des conséquences pour les gens qui cherchent des modèles animaux. Quelquefois, on cherche un modèle animal, et peut-être à cause d'un seul acide aminé, on ne va pas avoir le bon modèle animal. Donc là, c'était vraiment extrêmement probant. Bon, si vous voulez en savoir plus sur la traversée de la barrière intestinale, je vous réfère à une revue que nous avons écrite, mais je résume. Listeria peut entrer au niveau des plaques de Peyer par les cellules M qui avalent relativement beaucoup de choses, ou au sommet des villosités, là où les cellules sont apoptotiques s'en vont, ou au niveau des cellules qui fabriquent du mucus. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais je voudrais juste vous dire quelque chose qui est une des découvertes qu'on a faites en biologie cellulaire, et qui allait contre les dogmes. Le dogme, c'était que la clatrine est une molécule qui sert pour internaliser des petits objets, des petits virus. Pour les grosses bactéries, et ça c'était dans un bouquin il y a 20 ans, pour les grosses bactéries, on disait il n'y a pas de clatrine, il y a de l'actine. Et un jour je me suis dit, mais pourquoi on nous dit des trucs comme ça? On a regardé si la clatrine était recrutée au site d'entrée, et en fait la clatrine elle est recrutée au site d'entrée. Et si vous enlevez la clatrine, les bactéries rentrent beaucoup moins bien. Donc, on a montré que la clatrine était importante, et donc ça allait vraiment contre les dogmes. Et maintenant, on sait que des gros virus rentrent dans des cellules en utilisant la clatrine, qui est un peu une sorte de hub entre l'actine et les membranes, et non seulement pendant l'entrée, mais aussi pendant l'adhésion. Et si vous prenez, par exemple, des EPEX, c'est-à-dire des Escherichia coli entéropathogènes, ils font des espèces de pédestales dans les cellules de l'intestin, vous vous rendez compte que les bactéries qui sont en bleu sont au-dessus de l'actine qui est dans tout ce pédestal, je n'ai plus la traduction en français, et entre deux, vous avez une couche de clatrine. Donc la clatrine, c'est vraiment une molécule qui n'est pas uniquement pour l'endocytose, et je le raconte parce que je trouve que c'est assez frappant que des microbiologistes ont mis le doigt sur une propriété qui était vraiment totalement inattendue. Alors maintenant, j'arrive à la motilité actine dépendante. C'est un phénomène que nous n'avons pas découvert. Il a été découvert par Tilney et Portnoy. Mais nous avons eu beaucoup de chance de découvrir la molécule qui sert à faire cette motilité. Alors, vous voyez ici une cellule isolée des bactéries qui polymérisent de l'actine et qui bougent. En fait, quand cette découverte a été faite, les biologistes cellulaires se sont tout de suite rendus compte qu'il y avait une sorte de parallèle entre ce qui se passe derrière une bactérie et ce qui se passe au front d'une cellule qui est en train de poursuivre une bactérie. Vous voyez ici cette cellule phagocytaire qui cherche une bactérie. Il y a dans les deux cas un phénomène qui est lié à la polymérisation de l'actine. Donc la course pour trouver ce qui se passe
était parti, nous n'étions pas du tout là-dedans. Nous, nous faisions nos petites infections, on cherchait autre chose. On faisait des très belles images, parce que ces comètes ont été dans toutes les revues à l'époque. Vous voyez les très belles images qu'on avait. Mais on a isolé un mutant. On a eu la chance d'avoir un mutant. On cherchait autre chose. Qui ne faisait plus ces comètes. Donc ce mutant se multipliait extrêmement bien dans les cellules, il était en très bonne santé, mais il ne bougeait plus, il ne se dispersait plus, il ne faisait plus ces jolies comètes. En fait, ce mutant était une mutation qui correspond à un gène qu'on a nommé ACTA, et la protéine ACTA est devenue une vedette, parce que ça a été l'outil pour découvrir le rôle de ce qu'on appelle le complexe ARBE de Troyes. Ce n'est pas un cours de biologie cellulaire aujourd'hui, mais juste vous dire que que l'on soit, disons, derrière une hystéria ou que l'on soit au front d'une cellule en mouvement, dans les deux cas, vous avez soit ACTA qui recrute le complexe ARBE de Troyes et qui stimule la polymérisation de l'actine, qui fait un espèce de réseau d'actine, soit ici vous avez une molécule de la famille SCAR ou WASP qui va recruter ce complexe ARBE de Troyes et qui va promouvoir le mouvement d'une cellule. Alors ça peut être par exemple, vous qui êtes infectiologue, ça peut être un neutrophile qui reçoit un signal. Ce signal peut ouvrir la molécule WASP, qui normalement est un peu comme ça. Et puis, il va recruter le complexe ARBE de Troyes. Et du coup, vous allez avoir la signalisation qui va pouvoir promouvoir la motilité de cette cellule. Donc là, encore une fois, une bactérie qui sert à démontrer la fonctionnalité de ce complexe ARBE de Troyes dans les cellules. J'en ai fini pour ma première partie qui était approche de microbiologie cellulaire. Nous arrivons à l'époque post-génomique. Donc, on a séquencé, dans le cadre d'un consortium européen, le génome de l'hystéria, monocytogenèse, et celui de sa cousine, Hystéria innocua, qui n'est pas pathogène. Et ce qu'on avait en tête, c'était de comparer les deux génomes pour pouvoir extraire des gènes qui seraient spécifiques de l'espèce pathogène. Et ce que je peux dire, c'est que ça a été une mine d'or. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples de ce qu'on a trouvé, trois exemples, parce que je ne vais pas tous vous les donner. Mais la première chose qu'on a faite, c'est de dire, bon, on a une protéine régulatrice que j'ai citée une fois, qui régule tous ces gènes-là. Si ça tombe, elle régule d'autres gènes de virulence. Et donc, on a essayé de regarder s'il y avait d'autres gènes qui étaient régulés par PRFA, en comparant les transcrits qu'on avait dans une souche sauvage et une souche PRFA-. Et on a trouvé une série de gènes, et j'aimerais bien commenter d'abord celui-là, parce que c'est le premier qu'on a étudié. Alors, le premier qu'on a étudié s'appelle BSH. Et BSH, ça veut dire hydrolase des sels biliaires. Et en fait, c'était pour moi un peu une découverte, je ne savais pas trop ce que c'était que la bile, etc. Donc, je vais vous le résumer, si vous le savez, excusez-moi, mais la bile, qu'est-ce que c'est ? La bile, c'est un composé qui est dérivé du cholestérol, qui est fait dans le foie et qui est stocké dans la vésicule biliaire. Quand vous digérez, comme en ce moment, vous avez la bile qui va dans l'intestin et qui hydrolyse tous les lipides, qui les émulsifie. Elle émulsifie les lipides, mais elle émulsifie quelquefois les lipides des bactéries qui ne devraient pas être là. Et donc, les bactéries commensales, elles sont résistantes à la bile parce qu'elles ont différents outils pour résister à la bile. Un de leurs outils, c'est des hydrolases de sels biliaires. Et là, on était en train de découvrir qu'on avait un gène de l'hystéria qui était présent chez monocytogenèse, absent chez Inocua, et qui était régulé par PRFA. On s'est dit, qu'est-ce qu'il fait ? On l'a délété, ce gène, et on a comparé ce qui se passait chez le sauvage et chez le mutant après infection orale. Là, on avait utilisé des cochons d'Inde, parce qu'en fait, il y avait déjà eu des gens qui avaient utilisé ça comme modèle. Et on a comparé ce qui se passait dans les selles des animaux infectés. Comme vous voyez, grosse différence. Grosse différence, ça veut dire qu'une hydrolase des selles biliaires permet à l'hystéria de rester dans l'intestin. Donc c'était déjà vraiment montré que, comme les commensaux, l'hystéria agit contre l'action bactéricide des selles biliaires par cette hydrolase des selles biliaires. Donc voilà un premier facteur qu'on a trouvé. Et à l'époque, il dormait dans un coin, mais maintenant qu'on travaille avec le microbiote, etc., je trouve que ça fait vraiment du sens d'avoir découvert ça en faisant de la post-génomique. Bon, un autre gène qu'on a trouvé, c'est un gène qui est sécrété par la bactérie une fois qu'elle est dans l'intestin, une fois qu'elle est dans la cellule,
Donc cette protéine, elle s'appelle INLC. Et cette protéine INLC, en fait, elle recrute une molécule qui s'appelle IKK-alpha, qui fait partie du complexe qui permet la migration de NF-kappa-B dans le noyau. Et donc, INLC contre-agit contre la réponse innée qui est due à NF-kappa-B. Donc, encore une fois, on a trouvé, en comparant les deux génomes, une molécule qui est présente dans un cas, qui est absente dans l'autre, et qui empêche l'autre de réagir. Alors, dernier petit exemple de choses qu'on a trouvées en comparant les deux génomes, c'est cette molécule LNTA. Et si j'en parle, c'est parce que c'était la première molécule crachée par Listeria, si on peut dire, sécrétée par Listeria, et qui allait direct au noyau. Donc cette molécule LNTA, elle va au noyau. On l'a su parce qu'on l'a taguée et on a vu qu'elle allait au noyau. Et on a voulu savoir ce qu'elle faisait. Et pour savoir ce qu'elle faisait, on a regardé avec quoi elle interagissait. Et elle interagit, cette protéine LNTA, avec une molécule qui s'appelle BAHD1. Et cette protéine BAHD1 était totalement inconnue. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé la fonction BAHD1 et on a vu que BAHD1, c'est une molécule qui compacte la chromatine. Et donc quand Listeria sécrète LNTA, LNTA va déséquestrer BAHD1 et à ce moment-là, l'hétérochromatine devient de la E-chromatine et les gènes peuvent être exprimés. C'est ce que je vous montre sur cette partie-là de la diapo. Donc Listeria rentre dans une cellule. La protéine LNTA est faite, elle va au noyau, elle déséquestre BAHD1 de l'hétérochromatine, et à ce moment-là, il peut y avoir des gènes qui sont exprimés. Et là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on sait que ce sont des gènes qui sont stimulés par la production d'interférons de type 3, puisque dans le cas de l'hystéria, on a de l'interféron type 3 qui est produit. Donc là, encore une fois, exemple d'une étude sur l'hystéria qui nous a permis non seulement de regarder l'infection par Listeria, mais qui nous a permis de mettre le doigt sur la fonction d'un gène des cellules de mammifères qui n'était pas du tout connu. Donc voilà, j'en reviens maintenant à mon génome. Et deuxième fois où je vais parler de PRFA. Donc vous vous souvenez, PRFA, c'est la molécule qui active ces gènes de virulence. C'est cette molécule qui nous a permis de mettre le doigt sur la BSH et sur NLC. Je ne vais pas parler de ces gènes-là. Pourquoi j'en parle ? Parce que ce gène est intéressant dans le sens où il active tous les gènes de virulence, mais il ne les active pas toujours. Et on s'est aperçu que Listeria, qui est une bactérie de l'environnement, tous ces gènes-là, elle ne les exprime pas quand elle est dans le sol, ou quand elle est sur une feuille de laitue, ou quand elle est dans l'environnement. On s'est aperçu que tous ces gènes sont régulés, sont exprimés à haute température, à 37 degrés, votre corps, mais quand la bactérie est à 20 degrés, tous ces gènes sont silencieux. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec PRFA? Est-ce que PRFA est silencieux? Eh bien, PRFA est silencieux, mais pas au niveau de la transcription, il est silencieux au niveau de la traduction. C'est-à-dire qu'à basse température, vous avez un message qui est fait, l'ARN messager est fait, mais il n'est pas traduit parce qu'il y a une tige boucle qui empêche les ribosomes d'aller voir leur site de fixation, la séquence Shanyi-Dalgarny. Donc à basse température, l'ARN messager est là et il ne se passe rien. À haute température, l'ARN messager se détend, les ribosomes viennent voir leur site de fixation, il y a traduction du message, et puis la protéine est faite et tous les gènes sont exprimés en même temps. On a appelé ça un thermosenseur. Bon, à l'époque de ce thermosenseur, on arrive en 2002 là, la folie ARN commence à exploser de tous les côtés, les micro-ARN, les petits ARN régulateurs, etc. Et nous nous sommes dit, il faut qu'on aille voir les petits ARN qui sont responsables de la virulence chez Listeria. Donc j'ai appelé Affymetrix, j'ai demandé qu'on nous fasse des puces pour Listeria. On a fait pousser les bactéries dans différentes conditions et on a extrait l'ARN et on a regardé tout ce qu'on avait. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on avait beaucoup de petits ARN qui étaient faits, là il y en a 50. Ils n'étaient pas exprimés constitutivement. Il y en avait par exemple qui étaient beaucoup mieux exprimés quand on avait fait pousser les bactéries dans du sang. On s'est dit, voilà, on a tout un champ d'études, on va regarder la fonction de tous ces petits ARN. Et on n'en a pas étudié un seul. Pourquoi? Parce qu'on a surtout étudié l'expression de ces petits ARN. Et l'expression de ces petits ARN, en fait, on a fait des découvertes. C'est que les petits ARN régulateurs, ils peuvent être régulés
par ce qu'on appelle soit des riboswitches, soit des riborégulateurs. Et ça, c'était nouveau. Donc, en général, qu'est-ce qu'on appelle un riboswitch ? On appelle un riboswitch une région qui est en amont d'un gène, en amont d'une ORF, et qui, s'il lit ou ne lit pas un ligand, peut prendre différentes structures. D'accord ? Il switch. Donc, si vous avez, par exemple, une vitamine, la vitamine va se fixer sur cette région-là, et il y a un switch, il y a l'appariement 1-2 qui peut se faire, 3-4, et il y a un arrêt de la transcription. C'est ça que j'appelle un riboswitch. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de riboswitch chez l'hystéria, il y en a beaucoup chez les bactéries. Et je vais juste vous parler d'un riboswitch qu'on a trouvé particulièrement intéressant, parce qu'il régule tous les gènes qui sont impliqués dans l'utilisation du propandiol. Alors vous allez dire, oh là là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais ça devient proche de deux choses très importantes. Donc, je vous parle du riboswitch. Vous le reconnaissez, il est là. Ce riboswitch, il produit soit un long ARN, soit un petit. Long ARN régulateur. Et cet ARN régulateur, il est antisens à un gène qui s'appelle POCR. Et POCR, c'est comme PRFA, c'est un gène qui régule beaucoup de gènes, par exemple chez Salmonelle. Il a été très étudié chez Salmonelle. Et on sait que c'est l'activateur de tous les gènes qui sont impliqués dans l'utilisation du propandiol. Et le propandiol, c'est ce qui est fait par vos commensaux, vos bactéries commensales. Il y a beaucoup de propandiol dans l'intestin, et son utilisation fait que les pathogènes sont supérieurs aux bactéries commensales et peuvent éventuellement se multiplier. Et les enzymes qui sont utilisées pour l'utilisation du propandiol, elles ont B12 comme cofacteur. Donc ce qu'on a montré, je ne vais pas vous donner de blot ou quoi que ce soit, mais simplement ça, c'est que quand les bactéries sont poussées en présence de propandiol, on a un ARN qui est fait, le petit ARN antisens POCR, et qui empêche à POCR d'être fait. Du coup, tous les gènes qui sont impliqués dans l'utilisation du propandiol ne sont pas faits. Mais si on a les deux, propandiol et B12, on a un tout petit transcrit qui est fait, POCR peut se faire, parce qu'il n'est pas empêché, et du coup, tous les gènes qui sont utilisés, qui servent à l'utilisation du propandiol sont faits. Eh bien, ce type de choses, l'hystéria l'utilise beaucoup, et je pense que c'est une façon de réguler les gènes qui est relativement nouvelle. Jacob et Monod ne connaissaient pas les riboswitch, on va dire. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire ce papier-là. On a trouvé un autre riboswitch qui est intéressant parce qu'il régule un ARN qui agit un peu comme une éponge. Mais ça devient un tout petit peu compliqué, alors je vais m'arrêter là dans les choses compliquées. Et je voudrais arriver à la découverte d'un nouveau gène de résistance aux antibiotiques qu'on a trouvé récemment. Et ça, on l'a trouvé parce qu'on s'est dit, s'il y a beaucoup de riboswitch chez l'hystéria, allons chercher des riboswitch intéressants. Et pour chercher des riboswitch, il faut être capable d'identifier le 5' ou le 3'. D'accord ? Et si on a des riboswitch, on peut imaginer qu'on va avoir, à partir d'un même promoteur, peut-être un 3' qui est là et un 3' qui est beaucoup plus bas. Et en fait, j'ai des amis au Weizmann Institute qui étaient en train de mettre au point une technique pour analyser l'extrémité 3'. La façon dont vous faites ça, c'est très facile. Vous prenez un ARN, vous lui mettez un adapteur au bout. Ensuite, tous les ARN, vous les cassez un tout petit peu. Vous faites une reverse transcription. Ensuite, vous allez mettre sur cet ARN qui a été produit un petit adapteur encore, et puis vous faites du PCR. Et en fait, quand vous faites la séquence des fragments qui sont produits, vous êtes capable d'identifier très précisément le 3'. Alors, on s'est dit, allons à la pêche au riboswitch en utilisant des techniques qui mappent le 5' ou qui mappent le 3'. Vous me suivez ? Le 5' ou le 3'. Donc on s'est dit, on va prendre nos bactéries, on va les mettre dans différents milieux et on va voir si on a des gènes qui sont régulés par riboswitch. Et les milieux qu'on a utilisés, le traitement qu'on a utilisé, c'est les antibiotiques. Donc l'idée, c'était de dire, on fait pousser nos bactéries sans antibiotiques ou avec antibiotiques, et est-ce qu'on a des gènes qui sont régulés par riboswitch ? Et en fait, on en a trouvé 2. Donc, je reviens sur ce que je disais. On est chez l'hystéria, on fait pousser les listeria sans antibiotique ou avec un antibiotique, et on analyse les transcrits, soit le 5', soit le 3'. Donc vous avez deux exemples ici, deux gènes qui sont régulés,
Donc, vous voyez que si vous êtes en présence de l'antibiotique, le gène est très bien exprimé. En présence, sans antibiotique, le gène était mal exprimé, sauf la première partie, qui est très bien exprimée. La même chose ici. En présence de l'incomycine, il est très bien exprimé. Sans l'incomycine, on a juste la première partie qui est exprimée, puis ici, on bégaye. Donc, je ne vais pas vous raconter cette histoire-là, parce que c'est très classique. On a détecté un gène qui code pour un transporteur. Et je voudrais vous raconter cette histoire-là. Donc je reviens, vous avez des bactéries, vous les faites pousser en présence de l'incomycine, et puis vous avez un gène qui est exprimé. Puis vous regardez ce gène-là, qu'est-ce qu'il est ? Et c'est là où c'était une surprise. Ce gène codé pour une protéine qui était homologue à HF helix, qui est une protéine énigmatique. Donc déjà, ça nous excitait. C'était une protéine qui est une GTPase, qui se fixe les ribosomes. C'est une protéine qui a été quand même décrite comme étant une protéine heat-shock, qui est capable de casser et recycler les ribosomes et qui est capable de désassembler des ribosomes de S. aureus qui sont en hibernation. Ça a été montré que vous pouvez avoir des dimérisations de ribosomes. Bon. Alors, si je donne le schéma, en fait, soit si vous avez un heat shock, soit si vous avez un autre shock, que ce soit chez colis ou S. aureus, vous avez les ribosomes qui sont bloqués. Mais si vous avez HF helix, qui a une activité GTPase, cette activité est capable de, en quelque sorte, désintégrer le ribosome et recycler les sous-unités pour, voilà. Mais, et ça c'est la grosse question, le ribosome splitting n'avait jamais été associé à une résistance aux antibiotiques. On se demandait si on n'était pas en train de mettre le doigt sur un nouveau mécanisme. Donc, pour montrer qu'on a une résistance aux antibiotiques, il faut montrer qu'on a un changement de minimal inhibitory concentration en présence d'antibiotiques, si on a une différence entre le sauvage et un mutant. Donc, on a muté, on a délété le gène HF helix. D'accord ? Et maintenant, on compare le sauvage et le mutant. Et on voit que le mutant est beaucoup plus sensible à l'antibiotique que le sauvage. Conclusion, on a un nouvel gène de résistance. Et je ne vous donne pas les résultats parce que je vais au schéma directement. Donc on a une protéine qui s'appelle HF helix qui est capable de dissocier des ribosomes qui sont en train de stagner sur l'ARN. Donc c'est un mécanisme qui n'est pas une pompe, c'est pas un mécanisme qui empêche l'entrée, c'est pas un mécanisme qui coupe l'antibiotique ou qui le modifie, c'est pas un mécanisme qui déloge l'antibiotique ou qui modifie la cible. C'est un nouveau type d'antibiotique. Bon. La résistance n'était pas très forte, mais c'est une résistance. Et si je vous en parle, c'est parce que la diapo d'après est extrêmement intéressante. Au même moment qu'on a sorti ça, il y avait deux études qui ont été réalisées en Croatie et au Canada, de gens qui se sont intéressés à ce qui se passait dans le sol, à côté d'une ferme où il y avait des animaux qui mangeaient des antibiotiques, ou dans le sol, à côté d'une usine qui fabriquait des antibiotiques. Et la question était, est-ce qu'il y a des gènes de résistance aux antibiotiques dans ce sol ? Donc, en gros, ce que ces deux groupes ont fait, c'est ce qu'on appelle de la functional métagénomique, de la métagénomique fonctionnelle. On prend le sol, on extrait on extrait l'ADN. Cet ADN, on le met chez Escherichia coli et on essaie de tester si les Escherichia coli sont sensibles ou pas à différents antibiotiques. Et ce qu'ils ont vu, dans les deux cas, c'est que dans la liste des gènes qui pouvaient conférer la résistance aux antibiotiques, il y avait le fameux gène HF helix. Donc ils l'ont trouvé dans Simkania neg26, Emergentia timonensis, des bactéries que je ne connais pas, mais quand même qui ont donné... Que nous on connaît très bien, ça vient de chez nous. Ça... J'étais sûre. Bon, ah ben, ça vient de la Timox, ça ouais. Ah d'accord, bon ben vous voyez, donc HF helix a été trouvé. Donc, nous, on pense que HF helix est probablement important dans l'environnement pour l'hystéria ou à l'intérieur de communautés. Voilà, mais je trouve que c'était vraiment la rencontre entre une étude fondamentale et des études extrêmement, écologiques, appliquées. Voilà, donc j'en arrive à ma dernière histoire. Et c'est une histoire qui vient juste d'être publiée et que je trouve vraiment intéressante. Donc, toujours pareil, compare le génome de monocytogenes et le génome de Listeria inocula. Donc, j'ai une postdoc qui arrive dans mon laboratoire et à qui je donne ce projet d'étudier une protéine qui est présente chez monocytogenes, absente chez inocula.
Donc je lui dis, Nathalie, tu sais, ce gène code pour une protéine qui a l'air intéressante. On a fait Doublibrit, la manip Doublibrit chez Ibrigenix, et ça a l'air de coller des choses vraiment excitantes, etc. Allons-y. Elle revient 3 semaines après dans mon bureau, elle me dit, Pascal, le génome a été réannoté. Ça n'est pas une molécule que tu crois qui va interagir avec des choses dans la cellule, puisque ça code pour une bactériocyte, pote putative. Alors, quel genre de bactériocyte? Eh bien, une bactériocyte homologue à la lactococcine 972, une bactériocyte de Lactococcus lactis qui cible d'autres lactocoques. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a été publié sur cette toxine, un papier par un groupe espagnol avec qui on a été en contact. Et puis, on s'est aperçu que, c'est pratiquement le seul papier, il y a peut-être un papier qui donne le fait qu'il y a d'autres bactéries qui ont des protéines similaires. Une protéine qui est un pathogène de poisson, Streptococcus ignae, Streptococcus pneumoniae et Staphylococcus aureus. Donc, dans mon laboratoire, quand on doit étudier un gène, vous avez compris, on le délète et on regarde ce que fait la mutation. Donc, elle le délète et elle regarde ce que ça fait en infectant des animaux. Donc, je vais vous donner les résultats de l'infection au rat chez des animaux avec le sauvage, la souche délétée et la souche complémentée. Et contrairement à ce qu'on attendait, la souche sauvage pousse moins bien dans l'intestin que la souche mutée. Et quand on complémente, on a l'effet, on récupère le phénotype sauvage. Et par voie de conséquence, dans la rate, on a plus de bactéries avec le mutant, on en a moins avec la souche complémentée, la même chose dans le foie. Donc je vois que vous êtes en train de penser. Vous êtes en train de vous dire, bon, bah, de toute façon, c'est une bactériocine, elle tape sur des bactéries. Pour voir si elle tape sur des bactéries, bah, il fallait voir si ça avait un effet, si vraiment ça avait un effet, si on comparait, par exemple, à des souris germe-free. Donc, Nathalie s'en va infecter des souris germe-free et elle regarde ce qui se passe. Eh bien, il ne se passe rien. Il n'y a plus de différence entre le sauvage et le mutant. Donc, conclusion, le phénotype dépend vraiment du microbiote. Si le phénotype dépend du microbiote, on va analyser le microbiote. Donc on analyse le microbiote après infection des souches sauvages ou avec le mutant. Et là, ce qu'on trouve, c'est que la différence flagrante entre les deux types de microbiote, c'était 12 OTU, Operation Taxonomic Unit, 12 OTU qui étaient dans un seul genre. Et ce genre, c'est Prevotella. Alors, peut-être que vous savez tous ce que c'est que Prevotella. À l'époque, nous ne savions pas. Ce genre Prevotella, il contient au moins 40 espèces cultivables, donc 3 dans l'intestin, Pecopris, Salivae et Stercorea. Ce qui a été publié, c'est qu'il y a une augmentation de Prevotella dans l'intestin associée à l'infection HIV. Ce qui a été montré aussi, c'est qu'il y a plus de Prevotella compris dans le cas de la susceptibilité à rhumatoïde arthritis, un papier de Nabutman. Ce qui a été aussi montré, c'est que Prevotella a des enzymes qui dégradent le mucus ou qui modifient le mucus. Ce qui a été montré aussi, c'est que Prevotella est beaucoup plus abondante chez l'homme que chez les souris. Ça va même jusqu'à 80%. Très peu chez les souris. J'ai même rencontré un groupe allemand qui m'a dit qu'il n'y en a pas chez les souris. Et au mois de mai, il était sorti un papier disant qu'il y avait différentes sortes de Pecopris. Selon les régimes alimentaires, vous mangez des fibres, vous avez beaucoup plus de Pecopris. Bon, alors le problème c'est ça. Nous on avait fait des manips chez les souris et il fallait aller chez les hommes. Dans mon laboratoire, on n'affecte pas les hommes. Donc il fallait trouver une astuce. Et l'astuce, on l'a trouvée dans le laboratoire de Tom Vandeville à Gand, qui lui a ce qu'il appelle un pseudo-intestin humain, enfin, c'est un intestin artificiel. Donc il y a tous ces petits flacons, et puis ça passe de l'un à l'autre. Et on met par exemple une flore humaine dans ces flacons, et puis après on peut infecter avec le sauvage ou le mutant. Ça marche très très bien. Et donc on peut, à la fin de la manip, à 24 heures, on peut refaire l'analyse 16S. Et ce qu'on a fait, c'est l'analyse 16S au bout de 24 heures, après avoir infecté avec le sauvage ou le mutant, et en comparant avec un intestin non infecté. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait 9 OTU qui différaient, suivant l'infection avec le WATAC, comparé avec 2776, le mutant. Et là, on n'était que à Pecopris.
Donc on devenait extrêmement spécifique. Donc on était extrêmement content. Je crois qu'on a écrit à ce moment-là, on a voulu publier à ce moment-là, et là, la rafale des questions est arrivée, et je vais vous donner la réponse à toutes les questions qu'on a eues. Premièrement, est-ce que vous êtes sûr de la spécificité? Donc on a incubé Pecopri avec des surnageants de bactéries Listeria sauvage, comparé avec Pecopri incubé avec les surnageants de bactéries mutées. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Pecopri est beaucoup plus heureuse quand il n'y a pas la bactériocine. Okay. Ça ne suffisait pas. Nous avons fait synthétiser la bactériocine et nous avons incubé Pecopri avec des doses croissantes de cette bactériocine et ont tué de mieux en mieux Pecopri. C'était bien. Il fallait des contrôles. Donc le contrôle, le premier, ça a été Bacteroides, Theta Iota Omicron. Et là, vous voyez qu'on avait beau mettre du peptide, la bactérie commensale restait insensible à notre bactériocine. Ça ne suffisait toujours pas. Il fallait beaucoup de commensaux. Alors, on a obéi et on a incubé donc un certain nombre de bactéries avec notre peptide. Donc, comme vous voyez, vous avez toutes des bactéries qui sont insensibles. Il y en a une qui est sensible, Bacillus subtilis. Bacillus subtilis était une des cibles de la lactococcine 972 dont je vous ai dit qu'elle est homologue avec notre bactériocine. Donc ça, c'était intéressant. On a utilisé différentes prévotella. Donc vous voyez, Salivae, Peoris, Migrasin, Tosa, et ça, elles ne sont pas sensibles. Et puis Danitman nous a envoyé 7 Pecopri, et parmi les 7, il y en avait 6 qui étaient sensibles et une qui ne l'est pas, et on ne sait toujours pas. Mais j'ai absolument tenu à mettre cette bactérie dans le papier, parce que bon, bah ok, il y en a 6 qui sont sensibles et l'autre qui ne l'est pas. Donc on est là à dire, bon, bah, on a une toxine qui agit très bien sur Pecopri et Bacillus subtilis. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, parce que comme vous avez vu, on a des résultats qui n'étaient pas du tout ceux qu'on escomptait. Donc on s'est dit, on va essayer de mimer l'effet microbiote avec seulement Pecopri. On va essayer de phénocopier, si on peut dire. Donc on s'est dit, on va prendre des souris germe-free, on va les coloniser avec Pecopri, et on va les infecter, on va voir si on a le même effet entre sauvages et mutants. Évidemment, le contrôle, c'était bêta. Donc, on prend les souris germe-free. Pendant 2 semaines, on les colonise avec ça ou avec ça. La colonisation a très bien marché, on avait beaucoup de bactéries. Ensuite, on va infecter pendant un certain temps, et ensuite, on va analyser le nombre de bactéries dans les différents tissus. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, vous me suivez, les souris germe-free. Germe-free, on l'a déjà vu. On a déjà vu les résultats, il n'y a pas de différence entre sauvages et mutants. Ensuite, vous prenez les germes free précolonisés avec Pecopri et vous regardez la différence entre wild type et mutant. On est en train de phénocopier ce qu'on avait, la différence, avec juste le microbiote. Et si vous prenez des souris germes free colonisées avec bêta, pas de différence. On a utilisé d'autres commensaux et on n'avait pas de différence. Donc j'espère que vous allez me donner une explication à ce que je suis en train de vous raconter. Maintenant, je vais vous raconter d'autres choses qu'on a observées. On a regardé, par exemple, où étaient les bactéries dans le cas de souris conventionnelles par rapport à des souris dans les souris conventionnelles, infectées avec le sauvage ou infectées avec le delta. Et on s'est aperçu que les bactéries étaient beaucoup plus loin des cellules quand on avait les souris sauvages que quand on avait les souris mutantes. Vous voyez que la couche de mucus était beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse, les bactéries étaient plus près dans le cas du mutant. Vous voyez ici, et c'est la même chose à 48 heures. Donc on a regardé si c'était la même chose quand on précolonisait des germes free avec Pecopri, bêta, et là on a même P. salivae. Et vous voyez qu'on n'a pas de différence de la distance. Là j'ai donné la distance des bactéries par rapport aux cellules épithéliales intestinales. Là il n'y a pas de différence, mais il y a une vraie différence quand on a Pecopri qui est présent. Qui avait servi pour coloniser. Si on a bêta ou P. salivae, il n'y a pas de différence. Nous, on pense que si le mucus est tout petit, les bactéries peuvent bien pénétrer. Donc ça pourrait expliquer le phénotype que vous avez dans le foie ou dans la rate. Mais ça n'explique pas ce que vous avez dans l'intestin. Puisque dans l'intestin, voilà. Donc on a commencé à regarder s'il n'y avait pas de l'inflammation différente. Et comme vous voyez, on a pris comme read-out, comme on dit, comme marqueur, la lipocaline 2, et on voit que si on a des souris germe-free, on a ce niveau-là, qui est
très inférieure à ce qu'on a quand on a pécopris. Donc ici, vous avez plus d'inflammation, et là, vous avez moins d'inflammation. Donc notre modèle d'étude, c'est une première étude hein, sur toute cette histoire. Ah oui, non, j'avais encore ce résultat-là aussi, que je voulais vous dire, excusez-moi. On a regardé les acides gras à courte chaîne, et on a vu que quand on a la bactérie sauvage, on a beaucoup moins de propionate par rapport au mouton, par rapport à la souche, par rapport à la situation sauvage. Donc, on sait très bien que la diminution en propionate corrèle avec une diminution en prévotella. Ça pourrait être autre chose, mais ça va dans le bon sens. Donc, conclusion. Ça, c'est notre toxine. La bactériocine LMO2776, c'est la première bactériocine qui cible spécifiquement et directement pécopris. Cette bactériocine cible le pécopris de façon hôte indépendante. La présence de pécopris dans l'intestin est associée avec une couche de mucus qui est plus fine. On a une augmentation de la lipocaline et une augmentation du propionate. Cette toxine permet une déplétion sélective de pécopris dans le microbiote intestinal. Ceci pourra empêcher une inflammation excessive et permettre la persistance de l'hystéria, une infection à long terme et éventuellement, ça pourrait mener à la méningite. On sait que les gens qui font une méningite à l'hystéria ne la font pas le lendemain du jour où ils ont avalé des hystéria. En général, les méningites arrivent beaucoup plus tard. Donc, on peut très bien penser que la persistance permet à l'hystéria d'aller jusqu'au cerveau. C'est un modèle, je suis d'accord. Toujours est-il qu'on a quand même identifié une bactériocine qui a des propriétés qui sont totalement nouvelles. Bon, il se trouve qu'on vient de publier cet article et que dans le même journal, dans le même numéro de Cell of Cell Microbe, il y avait 3 articles sur Prevotella copri. Donc je pense que c'est une bactérie qui attire maintenant un tout petit peu l'attention. Bon, l'éditeur a commencé à faire des commentaires là-dessus. Et je pense que Prevotella copri est en train de rejoindre la liste des bactéries commensales qui ont l'air de jouer des rôles très précis. Bon, je vous ai mis les papiers, vous savez sans doute que Bacteroides fragilis a des propriétés très particulières. Vous avez ces bactéries SFB qui ont des propriétés particulières, Fecalibacterium prosnitzii. Il y a eu aussi le groupe d'Eric Palmer qui a montré qu'il y avait Glossia producta qui était très important. Le groupe de Barbel Stecher qui a montré que Mustispirulum schedleri était aussi très important. Bon, et bien nous arrivons avec notre Listeria qui a une bactériocine qui module pécopris et on est très excités avec ces résultats-là. Voilà, j'en ai fini avec mon exposé. Je fais une petite conclusion pour vous dire que on a démarré avec une bactérie qui était très connue en immunologie et qui continue à l'être. Beaucoup de papiers sur l'immunologie utilisent l'hystéria comme outil pour tester la réponse de l'hôte. Je pense qu'on a quand même fait des grands progrès en biologie des affections, en biologie cellulaire. Vous vous souvenez, au début de mon topo, je vous ai parlé d'actine, je vous ai parlé d'endocytose, etc. En microbiologie, en génomique, transcriptomique, protéomique, et maintenant en microbiotologie. J'aime bien dire ce mot-là. Voilà, et donc je voudrais remercier les gens qui ont contribué surtout au dernier résultat. Donc Nathalie Rolio, qui est maintenant chez Harris Sokol, Olivier Dussurgier, Marianne Aori ont contribué énormément à toutes les infections des souris. Mélodie Duval a trouvé ce gène de résistance aux antibiotiques, à la lincomycine. Ici, vous avez un jeune postdoc qui vient juste de publier un autre papier sur une bactérie dont je n'ai pas parlé. Puis avec ça, je vous remercie. Voilà.